What's a woman when a man don't stand by her side? What's a woman when a man has seen? Bah d'abord, je choisis un peu par ordre alphabétique. Et voilà, j'ai ressorti le premier à avoir sorti que j'ai ressorti de la liste, c'est Eddie Cochran avec Come On Everybody. Voilà, pourquoi? Parce que c'était un des premiers disques que j'ai reçu. C'est mon père qui me l'avait. Voilà, Eddie Cochran. C'est mon père qui me l'avait acheté. J'avais, je sais pas, j'étais toute jeune, et donc c'était mon premier contact avec le rock'n'roll. Et j'ai trouvé ça absolument décoiffant. Avec le temps. Avec le temps. Alors Léo Ferré, Avec le temps. Parce que je trouve que c'est une des plus belles chansons qui ait jamais été écrite. Et moi, j'adore Léo Ferré. J'écoute depuis que j'ai aussi 12-13 ans. Et voilà, c'est vraiment une chanson magnifique, intemporelle. C'est de la pure poésie. Voilà. Puisque c'est vrai, je suis un homme, comme il dit. Alors c'est Comme ils disent de Charles Aznavour. J'aime Charles Aznavour aussi, je trouve que c'est un très grand chanteur. Je trouve qu'il a écrit des belles chansons, un peu plus accessibles peut-être que Léo Ferré, mais quand même des très très belles chansons. Il a une voix absolument reconnaissable entre mille. Quelqu'un qui a une forte personnalité, enfin je sais pas quoi, c'est quelqu'un qui fait vibrer, moi il me fait vibrer. Et alors, Comme ils disent, parce que je crois que c'est la toute première chanson qui ait jamais été écrite sur l'histoire d'un homosexuel. Et c'est très touchant, et voilà. Je la mets. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canarie et une chatte. Nostalgie, nostalgie.